Bonjour, c'était Tora et le premier dans une série pour le cours de design intérieur à l'Université de Montréal, pour le cours de CAU. Alors, tout d'abord, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons reproduire cette image dans Revit et nous allons la rendre en 3D Studio Max. Donc, ça va être notre produit final, ou presque. Nous allons essayer de le reproduire dans un temps raisonnable, ce qui équivaut à peu près à 3 heures de travail. Alors, tel que vous pouvez voir, je classe mes fichiers toujours dans 3 filières. Source, c'est tout ce qui me provient de l'extérieur, soit de l'Internet ou de mes clients. Par la suite, il y a la maquette. Ici, je mets tous les fichiers de production, de travail, soit SketchUp, Revit, Photoshop. Et finalement, dans le final, je place mes fichiers finaux, c'est-à-dire que les rendus finaux qui ont été remis, soit dans le cadre scolaire ou à mes clients dans le travail professionnel. Le fait de diviser ces fichiers de cette façon, ça nous aidera plus tard pour récupérer les fichiers finaux afin de produire le portfolio. Alors, on va commencer tout de suite en regardant l'image du produit final. Bien sûr, c'est juste une image, nous n'avons pas un plan. Donc, on va essayer d'estimer. Nous allons faire une estimation de ces dimensions et peut-être ajouter des choses qu'on ne voit pas dans l'image présentement. Donc, à l'œil, je pourrais dire que la largeur, c'est à peu près 25 pieds de large. On pourrait compter, par exemple, les tuiles pour arriver à une déduction plus précise. Sinon, sur le mur gauche, peut-être que je pourrais faire une fenêtre. Et voilà, pour le reste, nous allons essayer de faire des dimensions standards. Le Frontdesk, je vais le produire dans 3D Studio Max, tandis que la coquille de travail, on va la faire dans Revit. Donc, Revit, bien sûr, il a l'avantage de modéliser l'architecture d'une façon beaucoup plus rapide que 3ds Max, étant donné qu'il est spécialisé dans le domaine. Alors voilà. On va aller dans Revit. Je vais commencer un nouveau fichier. Donc, on fait un nouveau projet. Le nouveau projet, je vais prendre Architecture, un template, un gabarit architectural. Alors, le gabarit architectural va nous assurer de ramener dans le fichier les paramètres de base pour un fichier d'architecture, c'est-à-dire les élévations, l'échelle, ainsi de suite. Alors, si on va travailler en pied-pouce, lui maintenant le fichier il est métrique. Pour travailler en pied-pouce, on peut aller dans Manage et on peut aller dans les unités. On peut changer les unités. Donc, on va ici Project Unit. Ça, c'est la première chose à faire pour commencer un fichier. Avant de faire quoi que ce soit, il faut tout de suite se mettre ajuster ces paramètres de base, surtout les unités. Alors ici, je peux prendre pieds et fractional inches, donc des pouces à fraction. Voilà. Et on peut dire que la précision, on peut aller jusqu'à 1/32. Pour le reste, je peux même prendre square feet pour la superficie. Le volume, on n'en a pas besoin. Parce que nous n'allons pas en faire pour ces projets-là, mais bien sûr que dans le futur, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Alors, je vais choisir l'option mur pour dessiner mon mur de base. Comme ce qui nous concerne pour ces projets, on n'est pas ici présentement pour faire un projet des types, comment dirais-je, un projet BIM qui serait utilisé afin de construction. Ici, notre objectif présentement, c'est juste de reproduire une image, surtout dans 3D Studio Max. Donc, je vais faire un mur basic wall, un mur générique. Un mur générique, tel que vous pouvez le voir, il n'a pas de composition. Il a une composition unique. Alors, si on regarde dans sa structure, il y a uniquement une couche qui est la structure. Que je peux changer ici son matériel, c'est-à-dire que le matériau va être changé de tous les côtés, étant donné que c'est une masse. Donc, c'est le même matériau qui est appliqué sur tous les côtés. Alors, disons qu'on peut partir avec ça.
On n'en a pas besoin de plus. Pour bien commencer le projet, je vais aller sur l'élévation et ajuster la hauteur de mes niveaux. Donc, je pourrais dire ici, par exemple, que la hauteur, je retourne à l'image juste pour m'assurer que je vois bien ce que je fais. Voilà, donc on pourrait dire que la personne ici, elle mesure 5 pieds 6, disons. Donc, si on ajoute à 6 pieds, on pourrait estimer qu'on a 12 pieds d'hauteur pour le bas du plafond. Ensuite, on a à peu près 1,5 pieds pour l'épaisseur. Et on a une autre profondeur additionnelle avec un volume de masse un peu organique. Alors, qu'on fait ça tout de suite. Voilà, je retourne à Revit. Donc, je vais arranger la hauteur à 12 pieds pour le niveau 2. Ensuite, je vais créer un autre niveau qui sera le niveau final, finalement. Donc, je vais aller dans Architecture, Niveau. Donc, ça, c'est la voûte. Et ici, je vais pointer sur le bout de l'axe, mais je ne vais pas cliquer. Et je drague vers le haut, disons à 7 pieds ou à 8 pieds. Ça va être la hauteur finale de mon plafond. Et par la suite, j'ai cliqué une seule fois et je drague la souris à droite. Voilà, elle rencontre la fin et je clique maintenant une seule fois. Donc maintenant, l'axe a été créé. Je pourrais appeler ce niveau 3, lui donner un nom précis. Maintenant, il y a un plan de plancher qui a été créé. Voilà, ça s'appelle niveau 3. Je retourne maintenant au niveau 1 pour travailler. Je vais prendre l'option mur. Je vais dessiner le premier mur, c'est-à-dire que le mur là où il va voir la personne qu'on regardait tantôt. Donc, on regarde la personne. Voilà. Alors, j'ai ce mur de 25 et par la suite de l'autre côté, mais je pourrais faire peut-être 40 pour que je me donne assez d'espace et placer une caméra. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose d'une façon que le mur où il y a le frontdesk, je vais le mettre en haut, c'est-à-dire des côtés nord. Comme ça, les côtés ouest, je pourrais mettre des fenêtres et avoir peut-être un soleil qui rentre dans l'espace. C'est toujours bien d'avoir du soleil dans l'espace. Avant de dessiner le mur, que j'ai sélectionné le mur, je vais lui dire la hauteur, ce n'est pas un connected. On va monter le mur jusqu'au niveau 3. Comme ça. Et je vais lui dire que je vais dessiner mon mur à partir des finish intérieurs. Donc, les finis intérieurs des murs. Comme ça, je peux garantir les dimensions intérieures de mur à mur. Donc, je vais dessiner le premier qui serait 25 pieds. Donc, en disant 24 pieds, ce n'est pas... Je peux changer, bien sûr, la longueur à tout moment dans Revit. Donc, je vais aller chercher 40 pieds de longueur. Ça. Après, on va fermer l'espace. Voilà, c'est très bien. Maintenant, cette dimension-là de 24 pieds, elle va du centre au centre. Tandis que le côté intérieur au côté intérieur, donc je peux prendre l'outil de mesure ici. Si je prends de l'intérieur à l'intérieur, ce sera 24 pieds exact. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais créer tout de suite un plancher. Ça, ce n'est pas facile, étant donné que c'est rectangulaire. Je peux le dessiner avec un rectangle, comme je peux piquer les lignes existantes. Alors, je vais prendre le rectangle, comme ça. Très facile. Je peux choisir le plancher. Alors, pour le moment, on va aller avec un générique. Et je vais lui dire, j'ai terminé le plancher. Très bien. Maintenant, la troisième chose à faire sera de faire le plafond. Alors, si je regarde encore, je vais estimer la profondeur et l'épaisseur. Donc, la profondeur comme ça, et je vois de la lumière en arrière. Donc, c'est-à-dire que ce plafond-là ne touche pas au mur.
Il y a un petit retrait et il y a de la lumière indirecte placée en arrière. Donc, si je veux faire une estimation, je vois comme ça, je pourrais dire c'est à peu près 5 pieds. Donc, si on peut dire, et si ça vient, on peut voir à peu près 3 pieds devant la colonne. Donc, ici, 3 pieds devant la colonne, c'est-à-dire que la projection de haut, elle va tomber à peu près ici. Et si je compte les tuiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ça semble être des tuiles de demi-pied. Ce n'est pas des tuiles pleine longueur. Donc, je pourrais dire qu'il y a probablement, il y a à peu près ce qui équivaut à 8 pieds ici, en tout. Donc, très bien, ce que je vais faire, je vais créer maintenant le plafond. On va voir. J'ai un plafond ne dépend pas de la structure existante. Je peux le tracer n'importe où. Je peux l'accrocher comme je le veux. Il peut être collé au plancher supérieur comme il peut ne pas l'être. Je peux même mettre des plafonds superposés l'un par-dessus l'autre. Donc, commençons à faire le dessin. Je vais, comme on a dit tantôt, je vais regarder des côtés latéraux. Si il colle, je pense qu'il semble coller au mur. Oui, je crois qu'il colle au mur. Donc, je vais faire un retrait. Donc, on pourrait choisir le retrait. Je peux dessiner une distance. Donc, admettons que le plafond, il va faire ça. Ensuite, je vais créer un offset de 8 pieds. Comme ça. Bon, je regarde ici. Je retourne à l'image. Ça ne semble pas être. On dirait qu'ici, c'est beaucoup plus large que la distance. Donc, c'est sûrement pas 8 pieds. C'est probablement plus dans les 5 pieds. Donc, je refais le coup une autre fois, j'essaye avec 5 pieds. Comme ça. Bon, ça a l'air un peu plus proportionnel. Je vais effacer les lignes que je ne veux pas garder. Maintenant, comme on le sait, il faut nettoyer ces lignes-là avec l'option filet ou trim. C'est comme le filet d'AutoCAD. Ça crée des coins nettoyés. Voilà, donc ce que j'ai maintenant, j'ai une forme fermée. Quand on dessine un profil, il faut que ça soit toujours fermé sur tous les coins. Et à l'intérieur, nous avons une autre forme qui est constituée comme une île ou un îlot à l'intérieur de la forme globale. Une forme fermée dans une forme fermée constitue un trou. Donc ça va produire un trou lorsqu'on termine le travail. Ici, je pourrais maintenant décider de la hauteur. Donc, la hauteur serait 12 pieds, bien entendu. Bien entendu, ici, on va avoir un plafond à ce type, mais on va le changer tantôt. Donc, continuons le travail maintenant. Je fais Apply. Et je lui dis, j'ai terminé. Maintenant, pour voir le travail qu'on vient d'effectuer, je vais faire une caméra. Donc, j'allais dans View, 3D View, caméra. Pour faire une caméra, je clique, je garde mon doigt enfoncé là où j'ai cliqué et je drague. Comme ça, je drague vers l'orientation. Donc, la caméra, la position de la caméra, on l'appelle l'observateur. Et la position cible, on l'appelle target ou la cible. Je clique. Voilà. Maintenant, afin d'ajuster les field of view, c'est-à-dire que l'ouverture de la caméra, dans Revit, il suffit tout simplement d'ouvrir la fenêtre et le tour est joué. Maintenant, ce plafond, ce n'est pas exactement le type de plafond qu'on a besoin. Parce que quand on regarde la photo encore une fois, on a besoin d'un plafond en bois avec une certaine épaisseur. Maintenant, je peux le faire comme un plafond, comme je peux le faire
comme une entité composante. Ce qui est plus logique, franchement parlant, parce que en le faisant comme entité composante, je pourrais effectuer le trou dedans. Je pourrais le travailler, le détailler. Donc, on peut faire ça. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une belle occasion aussi de présenter la façon de faire les entités composantes. Alors, je vais aller sur le plafond réfléchi de niveau 1. Comme ça. Là, je vois que le plafond n'apparaît pas. Ce n'est pas trop grave. Il est possible de le faire apparaître. C'est tout simplement parce que je peux aller le voir comme ça. Donc, je lui ai dit de me montrer en arrière-plan le niveau 2. Le voilà, le plafond, il est sur le niveau 2. Je peux aller sur le niveau 2 tout simplement. Donc, aller en haut du plafond, choisir le plafond et tout simplement l'effacer. Je vais aller dans Architecture, Component, et je vais faire un Component sur place, Model in Place. Et ici, je vais choisir un plafond. Donc, je vais produire une entité bloc, un Component, mais BIM de Revit. Il produit ses components comme des entités catégorisées afin de les placer dans le bon endroit dans Revit. Donc, quand on les crée comme un plafond, il va avoir des propriétés plafond, ce qui est très avantageux. Alors, voilà. Maintenant, je vais faire une extrusion. Afin de faire l'extrusion, je vais dessiner la forme. Encore une fois, et je vais créer un offset. Donc, je vais aller avec un offset de 4 pieds, 5 pieds. Voilà. Et je vais produire comme on a fait tantôt pour le plafond. Maintenant, après avoir fait ça, je vais lui dire ici c'est quoi la profondeur de l'extrusion. Je vais lui dire que c'est 1 pied 6 pouces. On peut le changer plus tard si ce n'est pas bon. Je peux aussi tout de suite changer le matériau. Donc je peux lui dire que ça va être du matériau de bois. Ici nous avons cherry. Ça aussi on peut le changer plus tard. Donc on peut toujours avoir des propriétés de base, puis plus tard les ajuster, les changer. Nous avons ici ça, c'est facile de les dupliquer et d'échanger ces matériaux-là. Voilà, donc ça c'est terminé. Je pourrais aller en 3D tout de suite pour voir qu'est-ce qu'on a fait. Donc regardez, c'est très bien. Je vais aller maintenant en perspective. Comme ça. Voilà, ça a du sens. Ça fait du sens. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais approcher la caméra. Je vais aller en plan du premier étage, comme ça. Je vais lui dire que j'ai terminé pour le moment. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour mon niveau 1? Je peux lui dire de me montrer qu'est-ce qu'il y a par-dessus. Donc, je peux lui dire, montre-moi le niveau 2. Montre-moi qu'est-ce qu'il y a par-dessus ma tête. Alors, je vois le plafond par-dessus ma tête, c'est le niveau 1. Et regardez, le niveau 1, il regarde vers le bas, c'est normal, mais il me montre par-dessus ma tête le niveau 2 à niveau 3. Très bien. Alors là, je vois ça. Avec ça, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais ajuster la caméra. Moi, comme vous voyez, nous ne voyons pas où est-ce qu'il se trouve la caméra. Donc, je vais faire le bouton droit de la souris sur la vue de la caméra. Je vais lui dire Show Camera. Là, voici la caméra, elle est ici maintenant. Donc, je pourrais maintenant la prendre et l'avancer pour qu'elle corresponde un petit peu plus à la vue que nous avons à reproduire. Donc, si je vais la regarder maintenant, je vois, voilà, on est plus avancé. Ça ressemble un peu plus. La deuxième chose que je vais faire serait les colonnes. Donc, je vais aller vérifier
ou estimer la largeur. Ça a l'air comme d'un diamètre de 2 pieds 6. Je pourrais dire que c'est 2 pieds 6, les colonnes. Ensuite, j'ai ici un trou qui semble aller du milieu de la colonne à l'autre côté. Et il est parfaitement placé entre les deux côtés. Donc, je vais faire la colonne avant. Je vois que la colonne en bas, elle a du métal et en haut, elle a du métal, tandis que dans le centre, elle est plus couleur opaque. Donc, je vais aller en plan. On peut regarder en couleur pour voir que le plafond est en bois présentement. OK. Donc, je vais aller en plan. Et ici, je vais placer la première colonne de 2 pieds 6. Maintenant, encore une fois, nous pouvons faire la colonne comme un component ou je peux le dessiner directement comme une colonne. Donc, ce sera bien, encore une fois, d'aller dans Architecture, faire modéliser le component colonne, comme vous voyez, c'est disponible. Ça sera intéressant parce que ça nous permettrait de modéliser la colonne en trois étapes. C'est-à-dire que la première étape serait le bas, ensuite la deuxième partie, puis après la troisième en haut qui est en métal. Donc si je regarde bien, je dirais ici il y a 4 pouces. Ensuite, nous avons 4 pouces en haut. Et entre les deux, nous aurons 10 pieds 2 pouces. Ah, 11 pieds 2 pouces, pardon, parce que c'est 12 pieds. Donc ça va être 11 pieds 12 pouces, 2 pouces. Donc voilà, je vais faire extrusion. Je prends l'outil cercle, je m'approche et je vais dessiner. Ça, c'est un pied de diamètre, de rayon. Donc ça fait 2 pieds de diamètre. Moi, je pensais aller à 2 pieds 6, comme ça. 1 pied 3 pouces de rayon, ça fait 2 pieds 6. De diamètre. Donc la hauteur ici, je vais lui dire de le faire 4 pouces. Bien entendu, dans un contexte d'un projet précis, ça aurait été mieux d'avoir un plan précis et de suivre le plan. On est capable d'importer dans Revit le plan AutoCAD ou de dessiner même nos lignes de référence sur place. Tandis que pour ce projet, comme on a vu jusqu'à maintenant, c'est un projet où l'objectif est de reproduire une image. Donc je tourne pour voir, voici ce que j'ai fait. Je peux tout de suite lui donner le matériau correspondant, ici, matériau, et lui dire que ce serait du métal. Donc je peux chercher un métal quand même très réfléchissant. Donc ici, j'ai métal stainless steel polished. C'est toujours beau d'avoir le métal bien exposé, bien fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner en plan. Je vais dessiner la deuxième partie. Je vais faire créer encore une autre deuxième extrusion en cercle. Donc, je vais essayer de faire reconnaître à Revit le centre du cercle qui est ici. Donc, il ne voit pas le centre. Je vais l'aider pour qu'il voit le centre parce que c'est très important que ce soit bien centré. Donc, ce que je vais faire, je vais annuler temporairement ça. Ou je peux aller dans Create, aller dans Model Line. Et dessiner finalement une ligne où je peux faire un cercle de cette façon. Mais ça serait mieux que tout simplement d'annuler pour le moment de travail. Je vais aller dans Create, dans Model Line. Et je vais dessiner une ligne qui va faire 1 pied 3 pouces. Donc c'est sûr que cette ligne maintenant, elle représente exactement
le centre du cercle. Alors maintenant, je vais aller dans Create, aller dans Extrusion, prendre encore une fois le cercle et je vais dessiner le deuxième volume, mais légèrement plus grand. Voilà, 1 pied 3 pouces et demi. Donc ça va être un demi-pouce, ça va ressortir d'un demi-pouce vers l'extérieur. Et ici, je vais lui dire que ce serait 11 pieds 2 pouces. Et je vais lui dire que l'extrusion va commencer à 4 pouces. N'est-ce pas? Parce qu'on a un 4 pouces en dessous qu'on a fait pour le métal. Donc ici, je peux choisir tout de suite le matériau. Ce serait une bonne idée de le laisser peut-être en bois. Et je pourrais peut-être donner un autre type de bois. Donc nous avons ici... Je vais opter pour ce bois temporairement. Voilà, et maintenant je lui dis j'ai terminé. Donc si on s'en va en 3D pour regarder l'effet, donc ça va bien. Voilà. Donc en passant, pour basculer la maquette, je mets mon doigt sur Shift, je garde le bouton foncé, et avec le bouton de centre de la souris, je bascule. Très bien. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de faire le dessus de la colonne. Donc je retourne en plan une autre fois. Je vais faire afficher le dessin en wireframe pour pouvoir voir à travers les volumes. Et maintenant, je vais lui dire créer de nouveau une extrusion en cercle à partir du centre jusqu'à là. Et je vais lui dire de commencer à partir de 11 pieds, combien? 11 pieds 6 pouces. 11 pieds 6 pouces. Parce que c'est 4 plus 2. Et lui dire de finir à 12 pieds. Donc ça veut dire qu'il va avoir plus de métal en haut qu'en bas. Je peux toujours ajuster ça si je le veux. Alors, je vais aller chercher maintenant le stainless steel. Ou on peut chercher le chrome plated. Donc, je peux donner le même matériau aux deux. Voilà, ça c'est bon ça. C'est terminé. Et je vais lui dire, je vais effacer cette ligne que je n'ai plus besoin. Elle nous a aidé pour retrouver le centre tout simplement. Et je vais lui dire finish model. Maintenant, si je regarde en perspective, je vais voir l'effet comme ça. Donc finalement, l'effet n'est pas vraiment très beau. Je vais aller en élévation pour bien comprendre l'effet. Je vais aller côté nord, comme ça. Et je vais regarder en wireframe pour voir à travers. Ah, voilà, on a une petite erreur. Donc, je regarde, je vais retourner à l'intérieur pour l'ajuster. Regardez comment c'est beau. Revit, il nous garde, il nous laisse des flèches pour gérer l'extrusion d'une façon intuitive. Donc, vous pouvez, par exemple, juste de cette façon, gérer la hauteur. Pas besoin de retourner et effectuer un grand travail. Ça se fait d'une façon quand même assez facile. Vous pouvez également faire Edit in Place. Et de cette façon, lorsque vous cliquez sur l'objet concerné, on peut voir exactement c'est où l'erreur. Donc, je peux lui dire ici, c'est supposé d'être 11 pieds ou 8 pouces. Et celui-là, le deuxième, il est supposé de commencer en 11 pieds 8 pouces et finir à 12 pieds. Voilà, c'est fini. Maintenant, c'est précis, c'est bien fait. Je vais retourner en plan. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais copier cette colonne de l'autre côté. Mais la bonne façon de faire, étant donné qu'il est supposé d'être parfaitement en plan réfléchi de l'autre côté, il vaut mieux
utiliser la commande miroir, celui-là. Donc lorsque je choisis cette commande-là, je peux normalement, je peux prendre cette commande. C'est la même chose, sauf que celui-là, on choisit un axe, le deuxième, on dessine l'axe. Pour dessiner l'axe, ça nous permet d'aller chercher le milieu de la ligne. Et de cette façon, je dessine un axe vertical qui va aller chercher exactement le milieu. Voilà. Là, on a deux choses faites. Je regarde le plan 3D. Très bien. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais retourner à mon image et regarder exactement. Puis là, je retourne dans mon 3D puis je regarde. J'ai l'impression que la distance ici est plus large. Donc, si je suis une logique, peut-être qu'on a 10 pieds ici, ça veut dire 3 mètres. 10 pieds, 10 pieds. Et ensuite, nous avons 5 pieds, 5 pieds, ce qui fait 30 pieds. Donc, d'après moi, ça fait du sens. Il vaut mieux élargir le plan. Et il n'y a aucun problème pour ça, donc c'est ce qu'on peut faire. Nous, on a 24, on a besoin de 6 pieds. Donc ça veut dire qu'on peut se déplacer ces murs de 3 pieds additionnels. Donc, il vaut mieux regarder la distance. Donc on est allé de 24 à 28. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. Je vais retourner, voilà. Donc, je vais aller essayer de chercher ici et lui dire que je vais aller à 27 et je prends maintenant celui-là et je lui dis d'aller à 30. De cette façon, j'ai garanti qu'il déplace d'une façon précise. Très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire suivre le reste. Normalement, le plancher a suivi avec les murs, mais l'objet n'a pas suivi. Donc, maintenant, je vais aller en plan réfléchi. Ou je peux aller sur le plan de deuxième étage. Voilà, ça me donne accès à mon objet. Maintenant, je peux faire « Edit in place ». Je prends l'objet, je lui dis « Edit extrusion ». Je vais déplacer les deux lignes ensemble. À la suite, je prends les deux autres lignes et je vais les déplacer ensemble. Cette ligne-là, elle est peut-être un peu trop loin. Donc, je vais aller chercher ici peut-être 6 pieds. Donc, comme vous voyez, ce n'a pas un sens exact. C'est un travail qu'il faut continuer à chercher les bonnes dimensions parce qu'on est en train d'estimer sur une image. C'est tout à fait normal. Alors, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il va me rester à faire, c'est d'ajuster les colonnes. Donc, la colonne, elle est supposée d'être bien centrée. Donc, à 3 pieds, le centre. Normalement, c'est bien. Et je peux faire la même chose pour l'autre. Pas besoin de la miroiter une autre fois. Je peux tout simplement la déplacer pour avoir une distance de 3 pieds. Je peux l'effacer. Voilà, c'est aussi facile de faire. C'est plus précis de travailler de toute façon, de cette manière. Voilà. Alors, je vais sauvegarder le projet. Et maintenant, tel que vous pouvez voir, je ne vais pas jeter mon projet n'importe où. Donc, je vais aller dans mes tutorats, mon Revit Tomax, et ici, je vais aller créer dans ma quête un répertoire que j'appelle Revit. Parce que dans ce projet-là, je vais avoir aussi un autre répertoire qui s'appelle 3DS Max. Donc, je vais l'appeler tutorat 01 RVT A Max
Très bien. En sauvegarde. Alors maintenant, je vais retourner dans ma caméra et voir l'effet. Très bien. Ça, c'est beaucoup mieux déjà. Donc, je regarde mon image de nouveau. Ça commence à ressembler. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de faire un trou pour les luminaires. Et peut-être aussi, par la même occasion, de diviser ou de créer des petits retraits sur les coins. Donc, nous allons voir comment on fait ce type de choses. À l'intérieur des components, on va aller avoir accès. On est capable de modéliser, tel que vous pouvez voir, tout ce que vous voyez ici de plein, c'est une modélisation pleine. Et ici, ce sont des modélisations en soustraction. Donc, si je dessine, si je modélise un objet de volume sur mon volume actuel, et ce sera comme un retrait ou ce sera comme une soustraction. Donc, je vais aller en plan de deuxième étage. Ensuite, je vais commencer par dessiner des retraits ici. Donc, je vais lui dire, je vais faire un void extrusion. Voilà, et je vais dessiner. C'est bien, il est capable de snapper sur le coin. Je vais dessiner à travers, peut-être... je vais le dessiner à la distance qu'il est capable de faire. Par la suite, je pourrai changer la dimension. Donc ça, c'est de 1 pouce. Très bien, ça. Ensuite... je vais faire un dans l'autre sens. Donc ça aussi c'est 1 pouce. Donc il va y avoir un ici, un là. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Une bonne question. Ça va commencer... à, disons en 11 pieds 6 et ça va finir à 12 pieds 1 pouce. Comme ça, ça va rentrer un retrait de 1 pouce dans le plafond. Mais la bonne question serait, est-ce qu'on a le droit de faire deux ensemble en même temps? Non, on n'a pas le droit. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire un à la fois. On prend celui-là, on l'efface et comme ça on garde qu'un seul. Il faut voir que si on est parfaitement superposé par-dessus la face, s'il va réussir à la couper. Des fois, il faut dépasser un petit peu, comme j'ai fait ici en haut. Mais on va la tester tout de suite. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'imagine qu'il a effectué la coupe. Pour pouvoir la voir, on va aller en 3D, en perspective. Et on regarde l'effet. On va s'approcher ici. On ne voit pas d'effet. On ne voit rien. Peut-être qu'on n'a pas dessiné au bon endroit. Donc, je vais aller le vérifier en 3D. Ici. Je vais faire afficher en hidden line, en wireframe. Et essayer de détecter l'endroit. On ne voit pas du tout. Alors... là, la prochaine fois, si on va l'effectuer de nouveau, je peux faire des aller en plan. Comme ça. Je vais faire CTRL-Z pour aller en arrière. Je vais mettre ici un wireframe. Là, voilà. Donc, je fais des CTRL-Z pour reculer et voir. Et maintenant, je vais aller en 3D pour voir où est-ce qu'il se trouve. Donc, il se trouve bel et bien au bon endroit. La hauteur est de 11 pieds 6 à 12 pieds 1. Normalement, c'est supposé d'être la bonne chose. Donc, je vais aller en plan de nouveau. Et juste par mesure de sécurité, je vais avancer légèrement la ligne pour qu'elle dépasse. Maintenant, je retourne en 3D. Je vais essayer de témoigner
exactement qu'est-ce qui va se passer. On va s'approcher ici. Et maintenant, on peut lui dire d'exécuter le void. Non, il ne veut pas le faire. Étrange quand même. Donc ici, il dit profondeur de 7 pouces. On a fait une erreur quelque part. Ah, le voilà, regardez où est-ce qu'il est. Comment se fait-il qu'il est aussi haut? Il n'est pas supposé. Je sais pourquoi, parce qu'elle a été faite sur le niveau 2. Et ça, c'est les 11 pieds 6 de début à partir du niveau 2. Tandis que lui, il est supposé de commencer au niveau 1. Alors, pas de souci, on va aller en élévation. Et nous allons le ramener manuellement vers le bas. Comme ça. Donc on va le descendre. Et par la suite, on va le descendre de haut. Ça, c'est encore une fois vraiment une des options intéressantes de Revit. Donc je vais pouvoir monter ça. Je l'ai fait dépasser la ligne légèrement, pas beaucoup. Voilà, et ça, ça va faire le retrait. Donc si je regarde maintenant en 3D, comme ça, voilà. Très bien ça. Alors, si je fais finish model. Ok, donc j'imagine qu'on a un problème de niveau, c'est pas trop grave. Je vais l'effacer et cette fois-ci je vais aller sur le niveau 1 plutôt et non pas sur le niveau 2. Je vais le refaire rapidement. Je vais aller dans Create, Void Form, Extrusion et maintenant je vais dessiner la forme de 1 pouce de large. Le faire dépasser encore une fois légèrement, pas trop. Très bien. Voilà, c'est fini. Et maintenant, je vais lui dire, effectivement, tu peux commencer à 11-11 et finir à 12-1. Et on est bel et bien sur le niveau 1. On fait Apply et on l'active. Maintenant, je vais aller dans la perspective et j'espère que cette fois-ci, ça fonctionne. Ah, voilà, ça fonctionne de toute beauté. Maintenant, je pourrais sélectionner cette forme-là que je viens de faire, aller en plan et imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut la miroiter à partir du centre. Et le fait qu'elle va tomber des deux côtés, c'est comme par magie, le void, il coupe. Ça, c'est vraiment intéressant. Il va s'appliquer quoi qu'il arrive. Alors, je peux faire la même chose ici, par exemple. Je peux prendre le void qui est ici. Comme ça. Ou l'autre. Je peux le prendre à partir du niveau 2. Comme ça, je le sélectionne. Je peux le copier, le rotationner pour le mettre dans l'autre sens cette fois-ci. Ou je peux dessiner à nouveau, peu importe. Je peux aussi le miroiter, faire un miroir. Comme ça, à partir du coin à 45 degrés. Donc 45 degrés, ça veut dire que à 135 degrés. Ça. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour l'autre. Donc, un miroir n'a pas besoin d'être toujours sur le plan X et Y. Je peux le miroiter à angle aussi. Ok, maintenant, si on retourne sur l'image, on a aussi un en plein centre, on peut le voir. Voilà. Très bien, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre celui-là. Je vais le copier.
Donc je vais faire copie et je vais le prendre de son milieu à au milieu de la ligne. Donc on va essayer de détecter le voilà le milieu. Hein? Très bien, c'est réussi. Donc maintenant si on regarde sur la caméra, on peut voir un joli coin ici, bien nettoyé. Celui-là, il n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Bon. Ici, tout a fonctionné. Celui-là, le copie, il n'a pas beaucoup aimé. Peut-être on peut lui faire un truc intéressant. Je peux le sélectionner de cette façon. Aller sur le plan du deuxième étage une autre fois. Et faire un miroir. Mais je fais le miroir, disons, à l'œil ici. Comme ça. Ensuite, ce que je peux faire, je peux le déplacer pour qu'il soit exactement au milieu. Donc, je peux faire un move du milieu. Et là, je pourrais reculer. Et je peux voir où est-ce qu'il se trouve le milieu. Peut-être qu'on est exactement au milieu, on ne se rend pas compte. Ah, ben voilà, c'est ici le milieu. C'était juste à côté. Et juste pour être certain, je le retire un petit peu comme ça. Alors, voilà. Là, il l'affiche encore en jaune. C'est pas un bon signe. Pour une raison ou une autre, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire appliquer. Ok. Alors, je pourrais probablement faire un autre. Donc, je vais l'effacer. Et cette fois-ci, je vais aller en plan de deuxième étage. Ou en fait, du premier étage. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement faire un autre. Donc, je vais faire Create, Void. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai dessiné une ligne de centre exactement au milieu. Et maintenant, je peux faire un offset d'un demi-pouce de chaque côté. Donc, comme ça, je mets ici 0 pied. Et je mets 1.5. Comme ça. Et par la suite de l'autre côté, et j'efface immédiatement la ligne de centre. Maintenant, je peux dessiner une ligne pour fermer ces côtés. Bien entendu, il faut toujours avoir les lignes fermées quand on dessine un profil dans Revit. Ça. Et maintenant, on peut prolonger les deux côtés. Et bien, et maintenant on va espérer que ça va fonctionner. Je vais dire j'ai terminé. Alors ça a l'air bien fonctionné. On va aller dans la perspective. Clique ailleurs et voilà le trou est fait. Bien sûr, il y a un trou aussi sur le côté, mais maintenant pour le moment c'est suffisant ce qu'on a fait. Alors je vais regarder sur la perspective. Et on voit maintenant qu'il y a un trou qui va traverser d'un côté à l'autre en plein milieu. C'est ici qu'on va installer plus tard des lampadaires. Donc ce type de coupe, je peux le faire dans 3D Studio Max comme en booléenne, donc de faire une soustraction, ce qu'on appelle un subtract. Ou on peut le faire ici tout simplement, donc on termine le travail ici. Voilà, donc je vais aller dans l'étage 1. Et je vais créer un autre void. Le void, comme vous avez constaté tantôt, la bonne façon de faire sera de dessiner le milieu. Et ça, ce n'est pas le vrai milieu. C'est parce que ce plan, les colonnes ne sont pas centrées. Donc, il vaut mieux de centrer sur la colonne. Regardez. Comme ça. Et maintenant, ce que je peux faire, ce qui est intéressant avec les lignes...
des profils, c'est que ce sont des lignes de construction. Alors, je peux travailler avec et les nettoyer plus tard, c'est pas un problème. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire 2 pouces de chaque côté, en pensant que c'est probablement une largeur de 4 pouces que ça nous prend. Donc ça me semble être 4 pouces. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dessiner. Je vais commencer par effacer la ligne de centre et dessiner une ligne à une distance quelconque. Donc, si je vois la distance, vous pouvez le voir en haut. Mais je vais choisir quelque chose qui a du sens. Par exemple, ça peut être 2 pieds, comme ça. Et maintenant, pour chercher la distance égale de l'autre côté, je vais faire un miroir. Donc, je prends la ligne et je crée un miroir exactement à partir du centre. Donc ça, ça fait un travail très précis. Donc, je vais créer un trim pour les lignes. Comme ça. Et maintenant, je vais choisir la profondeur. À ce moment ici, si on trouve que ce n'est pas assez long, on pourrait l'étirer. Donc ici, je vais lui dire de commencer à partir de 11 pieds, 11 pouces. Et par la suite, je vais le monter en hauteur peut-être de 6 pouces. Donc ça va créer un trou profond de 6 pouces à l'intérieur du volume. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va le regarder en 3D, voir l'effet final. Très beau. Je me rends compte que c'est peut-être effectivement pas assez étiré des deux côtés. C'est supposé d'être plus proche. Donc je vois 1 pied de long. Donc comme vous voyez, dans notre métier, on fait ça. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas exactement les bonnes dimensions. Puis, ce qui est intéressant de Revit, c'est qu'il nous permet facilement d'ajuster grâce à ces oreilles des deux côtés qu'on peut étirer ou en allant tout simplement dans le profil, cliquant sur le côté, vous changez tout simplement la dimension à 1 pied et voilà, le tour est joué. On peut faire ça de l'autre côté également. Voilà. Donc, les transformations sont quand même assez faciles à faire dans Revit, contrairement à, par exemple, SketchUp, où il faut souvent effacer des objets pour pouvoir l'ajuster. Je trouve ces retraits quand même très larges. Donc, ce que je vais faire, je vais manuellement, tout simplement, les rendre plus petites. Voilà, je ne vais pas trop me soucier. C'est juste qu'ils sont vraiment trop larges. Donc, je peux regarder la dimension maintenant. J'aurais pu le faire une autre fois, comme tantôt. J'aurais pu le faire en changeant de profil. Mais c'est juste celui-là du centre, il a l'air un peu trop exagéré. Donc, j'ai terminé ça. Je vais regarder maintenant sur la perspective. Voilà. Approche un petit peu. Très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais placer une fenêtre sur le côté pour faire entrer pas mal de lumière. Ensuite, je vais fermer le plafond. Baba. Donc, je vais faire une ouverture dans le mur à gauche. Et dans l'ouverture, nous pourrons placer par la suite un mur rideau peut-être. Donc, je vais faire ça shaded. Voilà. Ce mur ici, vous savez qu'il y a plusieurs façons de faire un trou dans un mur. Il n'y a pas une seule façon. Donc, une des façons, c'est d'aller dans Edit Profil. Et dedans, on peut se rendre compte que dans Revit, les murs, ils ont toujours un profil, un contour, un périmètre. Donc, dessiner, comme on a dit tantôt,
Une forme fermée dans une forme fermée constitue un trou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que ce serait intéressant d'aller chercher un trou jusqu'en haut et de faire de ça un mur rideau, fait d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai terminé. Vous allez voir que ça fait le trou qu'on a parlé tantôt. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer un mur rideau. Donc, je fais architecture. Dans le mur, il y a trois murs rideaux offerts. Il y a curtain wall, exterior glazing et storefront. Donc, exterior glazing, c'est la bonne option peut-être pour remplir ce type de trous. Mais il y a le storefront aussi. Mais à la fin, on peut utiliser n'importe lequel. C'est juste la différence que curtain wall, ça vous permet de diviser par vous-même les largeurs et par la suite les convertir en menu. Tandis que exterior glazing, souvent, il est capable de dessiner directement avec les menus inclus. Donc, si je dessine ici, par exemple, un mur, j'aurais pu tout de suite choisir. Vous voyez comment il est déjà subdivisé. Donc, vous pouvez me dire, mais ces subdivisions, où est-ce qu'on les a cherchées? Bon, Edit Type, vous pouvez lui dire, en Vertical Grid, vous pouvez lui dire c'est quoi la distance. Vous pouvez lui dire aussi de créer les menus automatiquement. Comme ça, quand vous dessinez un mur, ce sera un mur rideau avec ces menus déjà créés. Alors, si je vais prendre Storefront, là dans Storefront, je vais pouvoir dessiner, je vais aller en élévation, en plan. Voilà, ici, et je vais lui dire, je vais dessiner les murs, et je vais les dessiner comme ça, au centre, cette façon. Alors, regardez comment il a créé le menu automatiquement. Si je regarde en 3D, et il a même coupé, il a coupé le mur en conséquence. Maintenant, une chose, un fait vraiment intéressant, c'est que vous pouvez cliquer sur ce mur-là. Donc, cliquez sur l'ensemble du mur. Et là, il vous affiche l'oreille. À partir de cette oreille, vous pouvez le baisser jusqu'à temps que vous arrivez à la hauteur que vous voulez. Et vous pouvez le monter d'en bas aussi, à la hauteur que vous voulez. Voilà, ça c'est un storefront. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait avec la hauteur que vous cherchez, donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans Edit Type et changer les paramètres tout simplement. Donc les paramètres ici, ils sont les verticaux sont de 5 pieds de large, les horizontaux sont de 7 pieds de haut. Donc ici on a 7 pieds comme ça, 5 pieds comme ça. Alors, moi, peut-être que je vais lui dire les verticaux, je n'en veux pas du tout. Et par la suite, les horizontaux, je veux de 2 pieds. Ou 2 pieds 6, peut-être. Très bien. Donc, je fais « Apply ». Ok, ça me donne ça, c'est très bien ça. Ce n'est pas très réaliste. Vous pouvez aussi, par exemple, dans les verticaux, on peut choisir Fixed Number. Je peux lui dire Maximum Spacing, maximum de 5 pieds. Mais de lui dire, les menus verticaux ne seront pas de 50 mètres. 50 mm par 150, mais ce sera plutôt des 30 mm, quelque chose de très petit. Aux extrémités, ça c'est les borders 1 et 2, côté gauche et droite. Les extrémités, ça va, elles peuvent être larges, mais dans le centre, on va faire des petites.
Donc, on va laisser comme ça. Voilà, ça c'est beau ça. Maintenant, je peux aussi lui dire de faire continuer les horizontaux. Parce que là, les horizontaux ont été interrompus par les verticaux. Donc ici, vous voyez, j'ai une condition. Vertical grid continuous. Donc moi, je vais lui dire, c'est les horizontaux qui sont continuous. Là, je lui dis apply. Et on va faire OK. Ah, les bordures, il ne les a pas faites. Il a fait cela. Donc, ce n'est pas grave. On retourne ici et on va regarder les bordures. Border and horizontal grid continuous. Bon, on a trouvé. On va lui dire on a terminé. Ça, c'est très bien, ça. C'est très beau. C'est exactement, ça fait comme un joint. Ça fait comme un joint pour les verticaux. Maintenant, ce que je vais faire, je pourrais ajuster la hauteur. Je peux même prendre la mesure pour que je n'aille pas avoir une demi... une partie, en fait, pas faite encore. Donc, je vais baisser ça légèrement pour qu'il remplisse le trou. Le trou que moi, j'ai créé originalement, elle se trouve à être là. J'aurais pu finalement ne pas faire le trou et tout directement mettre un storefront et il crée le trou lui-même dans le mur, comme une fenêtre. Alors voilà, ça c'est très bien. C'est très chouette. Maintenant, de la perspective, je vais vérifier l'ensoleillement. Donc comme ça, regardez, ça fait quand même intéressant de pouvoir voir la lumière rentrer. Donc je vais maintenant afficher le soleil. Il va falloir que je ferme le haut maintenant. Donc, je vais aller sur le plan du deuxième étage en plafond. Plafond du deuxième étage. Comme ça. Et tout simplement, je vais lui dire, je vais créer un plafond qui va arriver. Je vais lui dire que ça va être à la hauteur maximum. Je vais aller vérifier comme il faut à partir des élévations pour trouver exactement la distance plutôt que de faire n'importe quoi. Donc ici, le deuxième étage, on est à 12 pieds et là, on est à 20 par-dessus. Donc ça, ça veut dire que je peux le faire à 8 pieds de haut. Donc allons-y sur le niveau 2 parce que lui, il va mettre le plafond à partir du niveau choisi. Niveau 2, 8 pieds plus haut, ce serait la limite de plafond. Donc ici, je vais lui dire, je le veux à 8 pieds. Encore une fois, c'est très intéressant dans Revit que vous pouvez faire le travail et par la suite retourner et le finaliser. Je dessine les limites de plafond. J'ai choisi le type de plafond. Je pense que pour ce type de plafond, je vais prendre un générique. Je ne voudrais pas avoir des espèces de treillis, de plafonds acoustiques. Très bien. Alors maintenant, je vais regarder en 3D. Et regarder comme c'est beau. Exactement à la bonne place. Donc, tout est logique. N'est-ce pas? On élargit un petit peu la vue comme ça. Maintenant, le soleil, je ne le vois pas passer par la fenêtre. Bien sûr que c'est une fenêtre qui donne à l'ouest. Alors, je vais aller dans Sun Settings. Et je vais choisir Still. Je peux choisir ici la ville. Je peux taper Montréal. Taper ici. Bon, on va écrire ici Montréal. On n'est pas rapide, hein? Montréal, Canada. On va faire search. Regardez, il me le cherche ici. Je le choisis. Je vais lui dire OK. J'aurais pu rentrer le code postal. Donc, je vais faire apply. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher l'heure. Attention, on est à 8 heures du soir. Ça, c'est 4 heures de l'après-midi. Généralement, le soleil doit passer. C'est, je vais aller 3 heures.
2 heures. Ça, c'est bien. C'est pas très beau quand la lumière du soleil rentre trop dans l'espace. C'est pas beau quand c'est juste à peine sur le bas de la fenêtre. C'est beau d'avoir une belle apparence. Et souvent, quand c'est à angle, ça crée comme ça, surtout sur la colonne, ça fait quand même des belles courbes. Moi, je dirais peut-être que si on va à 1h30, peut-être qu'on trouverait un meilleur. Voilà, c'est pas aussi pire. Donc, je vais les laisser comme ça et je vais sauvegarder maintenant le projet. Donc, c'est quand même très facile à faire le modèle de Frontdesk que je vois ici. Si je veux le faire ici, je peux le faire. Je peux faire les matériaux, on peut faire pas mal tout ici. Ça se fait quand même très facilement dans Revit. Mais on va laisser des travaux pour 3ds Max, n'est-ce pas? Pour vous. Parce que c'est l'objectif de travail. Donc, le lampadaire, on va le faire avec 3ds Max. On va faire le front desk. Et on va finaliser les matériaux et rendre. Les personnages aussi, nous allons faire dans 3ds Max. Tandis que cette espèce de masse volumétrique en haut, peut-être qu'on pourrait le faire ici. Donc, ce sera une belle occasion de voir comment on fait les masses. Ce que je vais faire, je vais aller dans. Étant donné que je fais ça à l'intérieur, plutôt que de créer la masse à partir de Massing Insight, je vais créer la masse à partir de Component. Donc, je vais faire Model in Place. Je vais lui dire, je vais faire une masse. Comme ça. Donc, je vais lui dire, je ne sais pas, plafond et masse de plafond. Et maintenant, on va se retrouver sur le deuxième étage. Ici. Et voilà, on pourrait maintenant créer la forme qu'on veut. Maintenant, cette forme, elle va dépendre de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire, de nos attentes. Alors, avant de le faire, j'ai une idée qui serait de, si on crée des plans, des références, donc des plans comme ça, admettons qu'on crée un ici, ça c'est un plan que je peux lui donner un nom. C'est quoi un plan de référence? C'est un plan que je peux dessiner dessus. C'est un plan de travail. Et à partir de ce plan de travail, je peux dessiner des lignes de référence et je peux ensuite sélectionner toutes ces lignes et générer un modèle 3D. Donc, je vais appeler ça, par exemple, plan 1. Je vais créer maintenant un deuxième plan, peut-être un peu vers le centre. Ou peut-être à un tiers, comme ça. Ça va être le plan 2. Ensuite, ici, ça va être le plan 3. Et finalement, ici, ça va être le plan 4. Très bien. Maintenant, si je regarde en élévation, donc, je vais aller dans Create, je vais aller en élévation sud. L'élévation sud va regarder dans ce sens, c'est-à-dire que ces plans de travail vont superposer l'un devant l'autre. Donc, je vais aller à South. Voilà. Et maintenant, je vais me placer en wireframe. Voilà. Je vois mon plafond, je vois tout. Maintenant, je vais faire cette forme-là ici en haut. Je vais dessiner des formes quelconques et il me demande sur quel plan je vais travailler. Je vais lui dire, je vais travailler sur le plan 1. Et sur le plan 1, je voudrais dessiner une forme quelconque. Admettons que ça, c'est la première forme. N'est-ce pas? Maintenant, je vais lui dire,
Maintenant, vas-y au plan 2. Donc, il va aller au plan, au deuxième plan qu'on a créé. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux dessiner une autre fois, une autre forme, mais cette fois-ci, pas nécessairement comme l'autre, parce que lui, il va générer une interpolation tridimensionnelle entre les deux formes. Ça. Maintenant, on va créer au troisième. N'oubliez pas que c'est surtout le troisième et le quatrième qui seront visibles dans la perspective. Peut-être que souvent, comme dans le monde d'architecture, on ne se rend pas compte de ça et on a tendance à tout faire. Mais lorsque on fait des imageries 3D, on n'est pas demandé, ou des fois on n'a même pas le temps, de travailler tous les détails d'un projet. On travaille selon la perspective qu'on a à faire. Donc il faut se mettre à la tête quoi privilégier, sinon des fois on va manquer de temps. Alors voilà, maintenant je fais le troisième. C'est quand même intéressant comme forme. Voilà, on va espérer que ça va fonctionner par contre. Alright, maintenant on va aller en 3D. Donc je vais aller en 3D pour voir ce que je viens de faire. Et pour que je puisse visualiser les objets, je vais afficher en wireframe. Regardez ça, les quatre formes qu'on vient de créer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir les quatre. Avec CTRL, je choisis une sélection multiple. Et maintenant, il s'agit de faire une seule touche, Create Form. Donc, voilà. Regardez la forme qu'on vient de créer, ça fait comme un drap. Il a converti les polygones que je viens de faire en 3D. Très bien. Donc cette masse, plus tard, après avoir terminé, je peux la convertir, je peux la déplacer, je peux la convertir en matériel spécifique, n'est-ce pas? Donc je vais la sélectionner et je peux même lui donner un matériau ici même. Donc je la sélectionne ici dans matériaux, je peux changer la catégorie. Si j'avais créé un matériau, par exemple, là je vais aller avec plastique, je vais voir si je peux lui donner un peu de transparence. Bon, le plastique n'a pas de transparence, c'est tout à fait normal. Revit, il fait des matériaux physiques, et les matériaux physiques, ils suivent les lois de la physique. Donc un métal ne peut pas être transparent, un gypse ne peut pas être transparent. Dans le logiciel 3D, tout peut être transparent. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de bien, mais c'est la vérité. Tandis que Revit, il se tient à la réalité de la chose. Mais ce n'est pas trop grave ce qu'on peut faire. On peut aller à défaut. Ici, on peut dupliquer défaut. Comme ça. Puis je vais l'appeler toile. Et cette toile-là, je vais lui donner, je vais dans apparence, regardez, elle a un asset. Cet asset, il est générique. Les assets génériques, ils se trouvent associés avec plusieurs autres matériaux. Moi, je ne veux pas changer lui. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer le asset. Je suis maintenant dans générique 6. Bon, information, je peux changer son nom. Donc, je peux l'appeler, par exemple, translucide. Ou transparent, ou toile, n'importe. Voilà. Donc maintenant, j'ai un matériau qui s'appelle toile, avec un asset spécifiquement fait pour le rendu, qui s'appelle translucide. Donc lui, je vais lui donner une couleur un peu plus blanchâtre. J'aurais pu mettre une image, n'est-ce pas? Mais ici, ce qui est important pour moi, dans la transparence, je vais lui donner une certaine transparence. Voilà. Donc
il est réfléchissant. Donc ça, c'est la translucidité. C'est parce que, pourquoi il est réfléchissant? Parce qu'il a une réfraction. La réfraction, c'est elle qui rend comme un objet réfléchissant. Donc, si je dis, par exemple, c'est juste de l'air, c'est A1, c'est pas, il n'y a rien. L'eau, elle est l'alcool, custom. Donc, je peux lui dire que c'est juste 1. 1, ça veut dire que c'est rien. Donc, c'est comme un tissu. Donc, on va aller chercher ici la couleur blanche. Un glossiness à 0. Le glossiness à 0. L'image fade, c'est pas important. C'est pas un matériau métallique, c'est très important aussi. Voilà. Donc, la transparence, elle est. Je peux la monter encore. Je peux, si on la baisse. Donc ça, c'est trop opaque. Et quelque part, à 85%, elle va donner une bonne transparence. C'est suffisant. Alright, donc on va faire OK. Et maintenant, voilà mon matériau associé avec ça. C'est étoile. Et je lui dis, j'ai terminé cette masse qui se trouve à être finalement une component. Donc je peux maintenant aussi, si je le voulais, la déplacer. Je peux aller par exemple en plan de deuxième étage. Voilà. Il est légèrement coupé, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Donc je peux la déplacer pour que je puisse mieux la voir. Voilà, très bien. Donc maintenant, si on va en perspective pour voir c'est quoi, que ça donne. Ah, c'est bien ça. OK. La forme, j'aurais pu encore la rendre plus complexe. Maintenant, pour le besoin de la cause, c'est bien. Je vais lancer juste un petit rendu, m'assurer que le travail il est pas mal complet. Par la suite, je vais vous montrer comment on va chercher ça dans 3D Studio Max. Donc, je vais faire un render, qualité high. Je ne vais pas oublier de lui dire que c'est interior sun only parce que je n'ai pas encore placé des luminaires. Et je vais lui dire render. Ça devrait aller quand même assez vite. Le modèle, il est très léger. Ce n'est pas un modèle complexe. Alright, c'est pas mal à quoi je m'attendais. Et notre projet est lancé. Maintenant, si je regarde l'image encore une autre fois, là, je vois que j'ai un panneau à faire en arrière. Il faut que je mette une texture. La couleur en arrière, c'est la couleur du mur de fond. Et ça, c'est comme un panneau de plus. Il y a la texture sur le plancher. Donc, ça, c'est les choses qu'il faut travailler le plus. Cette texture sur le mur, cette texture sur le plancher. Les autres choses ici sont quand même très faciles à faire, soit avec Revit, soit avec 3DS Max. Et c'est pas des choses compliquées, c'est des choses de base. Alors, voilà, c'est très bien. Ça a pris un rendu quand même assez avancé, ça va donner des beaux résultats. Très bien, donc ça finit notre premier épisode. On va aller continuer les autres épisodes plus tard, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Et on va se retrouver avec 3DS Max un peu plus tard.